This is a battlefront, like no other in this or any war. No monster armies, no booming cannon. Only the roaring engine sound of the bombers pounding through the quiet English countryside. This is an air front. Sur la chaîne Plastic Dream, bienvenue sur ce montage du B17G. Alors voilà, première vidéo, donc on commence évidemment par le cockpit et par l'intérieur en suivant la notice. Donc comme d'habitude, j'ai fait un petit éclaté de toutes les pièces, ça c'est tout ce qui va à l'intérieur. Et encore, il n'y a pas la, tout ce qui est dans la baie d'armement ici, la baie où se trouvent les bombes, il manque 3-4 pièces. Enfin en gros, le principal est là. On va pas y passer des heures et vérifier chaque boulon, parce que bon, déjà on va faire confiance un peu à RFX. Et puis en plus, une fois que tout sera assemblé, mes amis, voilà, mon DJ, voilà, ok, vous voyez, on va vraiment pas voir grand chose, hein. Et là encore, c'est pas entièrement vitré, hein. Il y a plein de montants, on va vraiment pas voir grand chose, ok. Là aussi c'est vitré, mais un petit peu, là c'est vitré, mais il y a deux petites fenêtres ici sur le côté, hein. C'est pas ouvert comme ça, tout vitré, hein. Ok, donc on n'y voit pas grand chose, c'est au 1,72, donc on va faire les choses correctement, que ça soit propre et net, avec les bonnes couleurs, mais on va pas reproduire chaque boulon à l'intérieur, hein. Ok, alors regardez la taille, là, vous voyez, il y a le petit pilote qui est là. C'est quand même un sacré appareil, hein. Vous voyez la taille du pilote, ça fait quand même une sacrée bête, hein. Ok, alors question couleur, c'est pas très compliqué pour le B17G, c'est tout métal à l'intérieur, tout métal, sauf, alors ça c'est une pièce qui se trouve à peu près au milieu de l'appareil, c'est métal également, et là c'est là que passaient les pilotes pour se rendre aux différents postes de l'appareil. C'est en caoutchouc antidérapant, les tapis en caoutchouc antidérapant. Ok, les côtés là étaient en bois. Ok, donc on va, mais recouvert bronze green. Donc là, ça va être bronze green, noir. Tout le poste de pilotage bronze green. Donc le MRP, le fameux intérieur bronze green. Voilà, donc c'est un verre un peu métallisé, quoi. Tu vois. Les parois latérales, c'était recouvert de alors c'était du bois, des planches de bois, derrière les systèmes électriques qui passaient, et pour protéger les pilotes en cas de tir direct d'éclat dans le poste de pilotage,
Il y avait de une petite épaisseur de mousse matelassée, verte. Vous voyez, un vert un peu kaki. On va faire aussi intérieur bronze green. Oh, je verrai, peut-être sortirai un autre vert, j'en ai plusieurs là. Voilà. Alors tout ça, vous trouverez plein d'infos sur internet, il y a plein de liens pour la couleur de l'intérieur du B17. Voilà, il faut se servir de photos d'époque ou de commentaires de gens qui se servent de photos d'époque, vérifier un peu partout. Mais voilà, le principal c'est ça. Hein. Bon, après il y a quelques boîtes, les boîtes d'alimentation là qui sont en noir, etc. Mais en gros, la couleur principale c'est métal naturel, intérieur bronze green, et puis les deux parois latérales là, en vert style kaki. Quoi. Voilà. Ok. On va monter ça, on va procéder comme d'habitude. Je vous montre un éclaté, je vous explique ce que je vais faire. Je monte hors caméra, parce que sinon c'est trop long, la vidéo va durer des heures et des heures. Une fois que j'ai fait le montage, on se retrouve et je vous explique si tout s'est bien passé ou pas bien passé, de façon à ce que si vous reproduisez ce montage-là, et bien vous ne fassiez pas les mêmes erreurs et que ça vous facilite le travail. Ok, ensuite coup de peinture, et puis on passe à l'étape suivante, et puis etc, etc, on va progresser. Alors j'ai commandé, alors on va monter, oui, je vous avais dit que je commanderais qu'on ne ferait pas la livrée de la boîte, on va faire, je vous mets la photo sur l'écran là, on va faire le Little Patch, voilà, c'est un B17G du 91e Bomb Group, et on va le représenter sur un diorama alors qu'il va effectuer sa dernière mission de combat, le 20 avril 45, il va décoller de Bassingbourne, une base aérienne en Angleterre pour aller faire un bombardement sur Bordenburg. Il va rentrer sans encombre, hein. il n'y a plus aucune résistance allemande, donc il y a la supériorité aérienne absolue pour les alliés. Donc il va rentrer en bonne forme. Et puis deux semaines plus tard, c'est la fin de la guerre évidemment, donc il va refaire un voyage, un aller-retour jusqu'à Berlin. De Bassingbourne jusqu'à Berlin. À Berlin, il va emmener des prisonniers anglais qui viennent d'être libérés. Il va les ramener en Angleterre. Il va subir une maintenance, une petite maintenance, et puis il va repartir définitivement aux États-Unis début juin 1945. Il va encore faire quelques vols d'essai, notamment, enfin pas des vols d'essai, mais des vols, tu vois, entre casernes pour ramener du matériel, des choses comme ça, et puis après il va finir sa carrière dans un musée. Voilà, le Little Patch. Alors Little Patch c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo. C'est un petit dessin de nana, hein, vous avez vu sur la photo, il va être à peu près posé à peu près ici. Et en fait, le pilote a expliqué que pourquoi ils avaient choisi ce nom-là et pourquoi ils avaient fait cette petite poupée-là. C'est que lors de son premier vol, il a reçu un coup d'éclat, quoi, un coup de rafale, deux coups directs juste ici. Quoi. Poum, poum. Donc, ils ont une fois atterri, ils ont changé la plaque, évidemment, pour réparer les dégâts. Et puis, un des gars de l'équipe, quoi, qui était plutôt bon en dessin, il a dessiné cette petite poupée, et puis ils ont décidé de l'appeler Little Patch, Patch voulant dire raccommodage, quoi, tu vois, petit raccommodage, voilà, Little Patch. Ok, et puis le fait qu'il soit tout en olive drap, comme ça, moi je trouve ça bien mieux que métal. Et puis j'avais envie de travailler l'olive drap, alors pour ça, bon, alors on va passer évidemment, l'appareil, lui, il va être en olive drap de chez MRP, ok. Mais j'ai commandé aussi ça, les gars, parce que je vais faire un test. Et ça, on fera les véhicules. Vous voyez, il y a 3-4 véhicules. J'ai commandé 2 Jeeps aussi. Ok. Donc, c'est la nouvelle série de chez Tamaya, la Lacquer Paint. Donc, c'est de la laque. Hein. Ok. À diluer dans le fameux Lacquer Paint Tamaya. Mais si vous en avez un autre Lacquer Steiner, ça fonctionne aussi. Hein. Moi, je vais utiliser celui-là puisque je l'ai. Voilà, donc là il y a deux sortes de tous les deux ils sont notés sur le olive drap, hein, olive drap 1, olive drap 2. Ils ont légèrement, il y en a un plus clair que l'autre. Voilà. Donc je vais faire les véhicules avec ça, comme ça on va voir comment ça se passe, comment ça se passe à l'aéro, comment ça se dilue, etc. C'est, voilà, comme ça on aura fait un petit test en même temps là-dessus. Ok. Bon, alors je vais monter tout ça. Ok, et puis on se retrouve juste après pour je vous fais un petit résumé de comment ça s'est passé le montage. Ok, à tout de suite. Ok les gars, alors première étape pour ce diorama. Alors ça c'est un cadre que j'ai récupéré.
bois, imitation de bois. Il est propre comme tout. Dans un plastique un peu dur. Bah, le dessus, c'est une truc de plastique, devant c'est du bois. Ça, c'est une planche de bois à taille. Ça, c'est un papier film. Enfin, tu vois, comme on recouvre les bouquins scolaires, là, pour pas que le plastique colle à la planche. Et là, le but, c'est de couler un plâtre liquide de façon à ce que ça arrive à peu près jusqu'à ce niveau là, la première planche, donc je sais pas, 5-6 mm, ok, on tapait un peu, tu vois, pour que ça s'aplanisse bien, que ça soit bien plat, le laisser sécher, ok, une fois qu'il sera bien sec, là, de la colle blanche ou une colle, tac, je referme tous les petits trucs, je retourne, j'enlève les papiers film et j'ai une surface en plâtre qui fait exactement ce rectangle là, qui sera lisse. J'aurai plus qu'à voir s'il y a des impuretés, la poncer un peu, tracer au compas, voilà, et la texturer un peu pour faire une piste pour mon bombardier pour le T-17. Donc je fais le plâtre et je le coupe. Ok, donc là j'ai un plâtre, deux portions de plâtre, une portion d'eau. C'était la méthode classique pour le plâtre. Alors on y va. Poil. Vous voyez, c'est vraiment pile poil à la limite. J'ai pas fait exprès, mais j'ai bien calculé mon coup. On va peut-être le mettre ici une petite cale de quelques millimètres, parce que j'ai l'impression que c'est pas droit, mais j'ai plus la tête de la règle là. Et c'est possible que ma table soit pas. Laisser sécher une nuit jusqu'à demain. Ça devrait pas gonfler normalement. Et quand il sera bien sec, je taillerai un petit peu là pour faire des irrégularités, mettre la colle, poser ça, refermer tous les petits crochets là, le retourner, enlever la feuille de film et ça devrait faire une surface parfaitement plate normalement. Je vois pas qu'il y ait de bulles. Je vois que les bulles elles remontent là. Après s'il y a quelques bulles on peut en boucher avec un peu de mastic, avec un peu de pâte, peu importe. Hein, c'est pas... okay. Bon, à demain, enfin en tout cas à vous quelques secondes, mais on se revoit dans 24 heures. Ok, alors 24 heures plus tard. Bon c'est bien dur hein. J'ai fait des petits trous un peu partout, attention j'ai des trous, je vais mettre un peu de colle blanche. Bon, c'est la première fois que je fais ça, je ne sais pas vous dire si vous êtes là. Normalement, toute logique, ça devrait être nickel. Bon, on peut toujours avoir des surprises, hein, évidemment. Mais...
Voilà, le pinceau, on étale la colle pour pas que ça fasse. Ouais, je laisserai sécher encore quelques jours. De toute façon, j'ai plein de boulot sur la maquette, donc c'est pas pressé, tu vois, pour pouvoir sécher tranquillement. Bien à plat. Ok. Après, on va prendre le derrière du tableau. Voilà, on appuie bien partout. Une petite partie figée. Je prends un petit. Une lame de cutter peut-être, quelque chose comme ça. Il faut couper un peu d'ici légèrement. Un petit peu de plâtre qui gêne l'insertion du bois. Hop. Alors, je vais l'enlever plutôt comme ça. Les petites barrettes en métal là. Bon, après tout ça, ça se nettoie de façon à l'eau. Hein. C'est du plâtre et de la colle blanche, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Ça tient bien, parfait. Je vais ranger ça. Donc là, on va retourner la levette. Comme une crêpe. Bon, c'est mal. Maintenant, on va retirer le papier film. Ok, bon. Alors, c'est pas si mal que ça. Ok, bon là sur le plastique ça s'en va tout seul, il suffit de gratter un tout petit peu, je vais vous montrer ça, en essayant de ne pas l'abîmer évidemment. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je le ferai quand ça sera bien sec. Vous voyez, allez, ça s'en va nickel, hein. Donc, il suffira qu'avec une règle ou je trouve un système pour bien faire bien droit toutes les petites coulures là, et ensuite bien nettoyer. Sans griffer le plastique. Oh, regarde, ça part bien au doigt, au simple doigt, ça part. Et puis là, après tracer la ligne, machin, tout ça. Et puis ça va ça se tient bien, ça va pas tomber, rien du tout. Je vais ajouter un peu de volume, parce que je vais faire un demi-cercle comme ça, où l'avion sera posé. Et ici, un terrain, le terrain en tout. Et là, dans un coin, je vais monter un tout petit peu le volume. Ok, bon, bah écoutez. Ça, c'est déjà pas mal. On va repasser maintenant sur le montage du B17, hein, voir où on en est. Ok, alors voilà, toutes les pièces sont peintes. Ok, alors je vais vous montrer ça. Alors là, c'est toute la baie d'armement, hein, où les bombes vont se loger normalement. Hein. Les bombes sont sur des racks comme ça, tenues debout. Ok, 4 ou 5 de chaque côté, je crois. Multiplié par 2, ça fait une dizaine, une quinzaine de bombes. Ok, là c'est tout ce qui concerne le cockpit, donc les petits sièges, le cockpit en lui-même, vous voyez les petits manches à balai. Donc il y a encore un peu de travail au pinceau, il y a un peu de cuir là sur les petits sièges, ici, il y a des petites boîtes là à refaire en noir, ici aussi, les deux là, les autres je les ai fait, je les ai peint à part sur un petit toit blanc, donc c'est nickel. Là aussi, après il y a un jus à faire là-dessus. Ok, tout assemblé et puis tout emboîté dans le. Alors j'ai déjà fait un montage à blanc, ça rentre nickel, c'est impeccable. Okay. Donc le verre là, je l'ai fait ce matin, j'ai fait un petit live en vidéo sur YouTube d'une heure, là j'étais avec les copains, ils ont vu ça quand j'ai fait tout ce boulot. Voilà, le MRP, le verre c'est le MRP Interior Bronze Green, MRP 132. Ok, le métal c'est de l'AK, et puis ça c'est du bœuf Tamaya. Okay.
la petite couleur classique, là, le XF57. Ok, c'est censé simuler un bois clair. Voilà. Faut pas oublier, avec un petit coton-tige. Alors, prenez un petit coton-tige, vous l'imbibez avec le diluant de la peinture. Donc là, j'ai pris un diluant laqueur. Vous dégouttez un peu, que ça soit humide, mais pas trempé, quoi. Et il faut nettoyer tous les bords, là, vous voyez. Vous passez un peu comme ça sur tous les bords. C'est là où on va appliquer la colle quand on va coller, remettre les deux demi-fuselages. Il faut mieux qu'il n'y ait pas de peinture, quoi. Ok. Vous faites ça sur les deux demi pour que ça se colle vachement bien. Quand ça sera en place là-dedans, j'en remettrai aussi un peu la nettoyer sur les coins où ça va coller, tout ça. Comme ça, on est sûr d'assurer un bon collage. Voilà. Je vais même pas passer de vernis avant de mettre tout ça. Je vais passer un jus fleuri, vous savez, il est à base d'eau et à base d'argile, donc j'ai pas besoin de protéger la peinture avant. Donc on va faire un rapide jus. Deux décals à poser, ici le tableau de bord, ici il y a les deux petits décals US Army sur les sièges. Et puis voilà, un vernis mat après pour sceller tout ça. J'assemble. Et on se retrouvera dans la vidéo suivante avec, enfin, on fera le collage des deux demi-fuselages ensemble. Ok. Donc là, c'est terminé pour la première vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des petits trucs. Vous avez vu, on a commencé le diorama, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Hein. Ok. On se retrouve pour la prochaine vidéo, ou pour une autre vidéo. Hein. Je vous dis à très, très bientôt. À plus. Ciao.